Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo après la maintenance qui a eu lieu ce matin sur My Hero Academia de Strongest Hero. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me fera énormément plaisir. Sur ce, on démarre. Ça sera une vidéo rapide. Cette mise à jour est réellement centrée sur les compétences de Hawks. L'affichage, l'amélioration du personnage, des cartes, etc. Du coup, on démarre. Tout d'abord, le premier texte, c'est Improve the Display of Hawks, la compétence ultime et le W, qui parle juste sur l'affichage de ses compétences, qui avait des bugs là-dessus. Le 2, enfin, du coup, ça c'était le 2. Le 1, ça concerne l'arène. Vous savez que quand on perd un combat ou quand on enchaîne beaucoup trop de combats, ben on a une sorte de pénalité, on doit attendre 30 secondes avant le prochain combat. Ben ils ont réglé ce problème. Je pense que maintenant on peut directement démarrer un combat sans attendre les 30 secondes. Maintenant, la troisième ligne. Là, j'ai du mal un peu à comprendre ce truc, mais ils disent qu'ils ont réglé le problème concernant l'affichage du texte quand Hawks, enfin l'affichage du texte de la carte, de l'effet de la carte support Hex quand il est en combat. A priori, ça doit être ça dans la trad, plus ou moins ça. Quatrième, ils ont réglé le problème concernant la compétence ultime. Qui ne pouvait la compétence ultime après la fin du monde du. Attendez. Correction d'un problème empêchant l'utilisation de la compétence ultime de Hawks après la fin du mode aérien lorsque sa compétence spéciale est en temps de charge. Qui plus est, le temps de charge peut être réutilisé, enfin la compétence peut être libérée jusqu'à la prochaine utilisation de la compétence ultime. Et le dernier point, ça concerne l'événement où ils ont supprimé les items invalides de cet événement. Compensation de 150 euros, coin, 50 000 crédits et 50 stamina. Maintenant, on va rentrer dans le jeu. On va voir un peu tout ça. Ok, allez, go. On va faire un petit test pour voir si ça fonctionne correctement. Du coup, bon, déjà, problème. Je peux pas appuyer. Ok, on va redémarrer du coup. C'est cool. Il y a un petit bug. Du coup, je coupe ça au montage. Ok, on est de retour. Et cette fois-ci, on récupère ça. Du coup, ça nous fait 300 de 50 stamina. Cool. Et du coup, ici, on a quoi? Ils ont dit qu'ils avaient réglé soucis concernant cet event et ce qui nous importe maintenant c'est Hawks. Du coup on va les tester en solo, tester vu que j'ai pas cette puissance. Allez, on va faire celui-là. Replay. Ok. Du coup, c'était quoi les problèmes déjà? Ça concerne la compétence ultime. Sa carte support que j'avais drop. Enfin, ses cartes support. L'une de ces cartes support que j'avais drop. On va voir ça. On va directement faire ça. On va quand même mettre un petit peu. Ouais, c'est bon. D'accord.
Maintenant. Parce que je vais voir. On va charger rapidement la compétence ultime. D'ailleurs, elle se recharge largement plus vite qu'avant, ça c'est cool. En plus, vu que j'ai la carte de info. Ok, d'accord. C'est pas mal. Ok, en fait, ce qui est bien, c'est que là, ils ont fait un réajustement rapide. Ils ont été réactifs sur le fait que le problème était là depuis que le perso est sorti. Et ça, c'est un bon point. Du coup, c'est une bonne mise à jour. Après, c'est vrai qu'on attend toujours la langue française. Mais ce qu'on a vu de tous les problèmes qu'on a eu depuis le début du jeu, je pense qu'on l'aura pas avant l'année prochaine, les amis, hein. Vu que tout dépend des chiffres qui feront pour l'ajout de ces langues. Parce que faut une équipe française, faut une équipe allemande derrière, une équipe espagnole pour faire toutes les trades, et ça demande beaucoup d'argent, de l'investissement pour une grosse équipe de développeurs. Et tout, du coup, je pense pas qu'ils vont faire ça avec des traducteurs automatiques, ça serait complètement débile. On va tester sur le boss, hein. Du coup, petite coupure, 3, 2, 1. Du coup, on est ici. Et on va faire ça. Bon, on va voir si tout est bien. J'ai encore du mal à utiliser son outil. Et remarque, ce perso en PvP auto, il est vraiment bon, hein. On va pas se mentir, hein. Il termine, enfin, dans ma team, là, à l'heure actuelle, c'est pas lui qui a le plus de puissance, mais il termine toujours après All Might, hein. C'est vraiment correct. Après, c'est vrai qu'en termes de dégâts directs, il fait pas autant de dégâts que, comment il s'appelle, que All Might. Ou Aizawa, ou Stain. Oh bah, il est dans les airs. Je déteste quand il fait ça. Il reste 3 barres, tout ça. Oh, même moi, je suis low là. Ok. Du coup, ouais, les problèmes, ils ont été réglés. Réajustement sur sa carte passive, c'est cool. Et maintenant, on va voir si le problème a été réglé concernant l'arène, si il est toujours pas présent. Enfin, s'il est toujours présent le bug ou pas. Alors, versus arène. On va tester ici. On va faire ça du coup. On va prendre ça. On n'est pas là. Là, je vais directement live 1. Je m'en fous un peu du truc. De gagner ou de perdre. Dans tout cas, je vais live. Du coup, ils ont dit après un abandon. Est-ce que. Enfin, ils ont dit qu'après l'abandon, normalement, ça devrait. On devrait ne plus attendre les 30 secondes. Du coup, on quitte. On va faire ça sur 3 essais. Ah, ben il est toujours. Il est toujours. Système notice. Non, c'est non plus.
Bon. Ben, le problème, il est toujours là. Le problème est toujours là. On va juste leave. Du coup, on va faire ça. Du coup, on est là. Ouais, c'est bien ça. Ouais, du coup, le problème est toujours présent. Hein. On vient de le voir. Après, c'est bon. Vu qu'il y a très peu de personnes qui font du PVP, ça change pas grand-chose, mais. Faut qu'il fasse une mise à jour concernant ce problème. Bon, après, bon, voilà. Je pense avoir fait le tour des news. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, je vous dis ciao. À la prochaine.